J'ai lu Le port des marins perdus de Teresa Radice et Stefano Turconi chez Glénat. Je m'attendais à un énorme coup de cœur. Il est une très très bonne note sur Libre Addict. J'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, c'est une histoire avec un peu de fantastique, des dessins splendides avec des bateaux. On est souvent sur la mer avec des grands bateaux. On va suivre une histoire un peu étrange d'un jeune garçon qui est récupéré par un marin sur... Comment est-ce qu'il s'appelle le bateau ? Enfin, sur sur une grande frégate, comme ça, il est récupéré sur une île où enfin, il était inconscient et il ne sait plus qui il est. Et c'est un jeune homme qui finalement a l'air très à l'aise sur un bateau. Donc on va très vite en faire un mousse. Et il va se retrouver dans la ville. Il va se retrouver dans la ville puisqu'il y a un officier en fait qui le ramène avec lui et qui le prend sous son aile. Et quand il va arriver sur cette île, il va rencontrer plusieurs personnages qui lui rappellent des choses sans forcément qu'ils comprennent pourquoi. On a cette histoire de ce jeune garçon qui doit comprendre qui il est, je ne peux pas trop vous en dire plus. Et en parallèle, on a l'histoire de cette jeune femme aussi qui est dans un bordel, qui est extrêmement belle avec sa tignasse rousse frisée et ses taches de rousseur. Et elle est amoureuse d'un marin. Et elle va rencontrer Abel. Et tous les deux ont des traits communs. Et ils vont petit à petit se rencontrer et se connaître et essayer de comprendre, voilà, des choses un peu bizarres. Parce que quand Abel est arrivé vers les îles où il est, voilà, où il passe un peu de temps, en arrivant, il a vu à l'horizon un port que tout le monde ne peut pas voir. Et il y a une légende sur le bateau, il y a un des anciens qui lui dit que c'est le port des marins perdus, que ce n'est pas les marins qui se perdent, mais c'est inversement, c'est l'île, enfin le port qui attire les marins. Donc voilà, il y a tout ce côté mystérieux, ce port des marins perdus, on ne sait pas trop ce qu'il en est, voilà, donc c'est bourré d'aventures, c'est pas mal de fantastique, avec des personnages extrêmement touchants et une trame, un scénario qui est vraiment très bien ficelé. Voilà, donc une belle expérience de récit marin, je pense que vraiment là on était bien. En revanche, ce qui m'a moins plu, je sais pas, j'étais pas à fond dans l'aventure. J'y ai pas trop cru peut-être, voilà, c'est ça. Mais quand même, c'était sympa. C'est une BD que je garderai et que je relirai, je pense. Les dessins sont si beaux. Je vais essayer de vous... Je vous en ai filmé hein, quelques-uns. Mais vraiment, c'est un trait de dessin très sobre. On dirait tout au crayon papier. C'est très sobre. On ne se perd pas, on comprend, il y a des moments assez marrants. J'adore, cette jeune femme est dessinée avec beaucoup de grâce, regardez-moi ce personnage. Voilà, donc il y a des très beaux dessins. C'était très touchant, mais ça ne... Je sais pas, il m'a manqué le petit truc qui fait que j'étais à fond. Donc je lui ai mis 16 sur 20 et... Peut-être que je suis remontée à 17 parce que effectivement c'était quand même vachement bien, une belle immersion et c'est très bien construit. Donc je crois que j'ai mis 17 mais c'est pas l'énorme coup de cœur, c'est bizarre. Voilà, bon, on continue avec les récits marins, c'est pas terminé. Bon, alors je suis dans ma lecture des récits marins. On est le samedi de la première, le dernier samedi de la première semaine de vacances, le 3 août.
Et j'ai fini de lire au garçon Grand, large et long cours de André Borbé chez Alice Deuzio, que un livre qui nous avait été recommandé par... En fait, il faisait partie d'un cadeau surprise dans la librairie La Géosphère à Montpellier sur le thème des récits marins pour enfants. Donc c'est un livre jeunesse que Lucien a eu et qu'on a lu. Alors on a mis du temps à le lire parce que c'était le moment juste avant les vacances. Et les vacances, et du coup, c'est vrai que je fais moins la lecture aux enfants pendant les vacances. Alors, c'est un roman un peu étrange. Où les personnages... Enfin, on est dans un monde un peu onirique. Là, vous voyez un bateau qui vole, et effectivement, l'histoire, c'est celle-là. Et puis, il y a des oiseaux qui sont des cartes-vents. Donc, on est dans un monde... de fantaisie, je dirais, parce que la magie est acceptée, elle est là. Hein. Et je vais vous lire parce que c'est très difficile à résumer. Qui est donc ce marin fou qui prétend avoir construit un bateau volant ? Toutes sortes d'histoires courent sur son compte. Tsutsi, ça c'est notre personnage principal, va tenter de le retrouver et de tirer au clair la légende de Grand Large. C'est décidé, il partira à la recherche du meilleur ami de son père, il en a fait la promesse. L'aventure sera périlleuse pour ce garçon que tout le monde trouve trop petit pour son âge, mais il est prêt à braver tous les dangers, au risque de devoir gravir le pic du cap, affronter ses peurs et plonger dans les profondeurs du passé pour y découvrir la vérité. Alors, nous, on l'a lu de façon un peu décousue. Je pense qu'on a apprécié sans plus, quand même. C'est pas mal écrit, il y a un truc qui est perturbant pour moi qui l'ai lu, c'est qu'il n'y a pas d'accent circonflexe dans ce livre. Et je ne comprends pas pourquoi. Enfin, moi, c'est genre le truc qui me titille. Et je me dis, mais pourquoi ? Certainement pour rendre la lecture plus facile aux enfants. Mais je pense pas que l'accent circonflexe soit problématique pour les enfants. Je sais qu'aujourd'hui, on s'autorise à en enlever quelques-uns. Là, il n'y en a pas du tout. C'est un peu dommage. Ça, c'est mon point de vue. On le partage ou on le partage pas. C'est comme ça. Je trouve ça bizarre. Après, il y a des trucs qui étaient quand même étranges, parce que Tsutsi, donc, c'est un enfant, il vit avec sa mère et ses sœurs, et un jour, il décide de partir, et c'est sa mère et ses sœurs ne s'inquiètent pas plus que ça, alors que c'est un enfant, je ne sais même pas quel âge, il a 12 ans, 10 ans, 12 ans. Son père est décédé, et il lui a laissé un courrier, et en fait, dans ce courrier, il lui explique que... Il explique des choses un peu confuses, un peu bizarres. Tsutsi va aller rencontrer une sorte de diseuse de bonne aventure qui va lui dire aussi des choses étranges. En fait, on comprend jamais très très bien ce qui se passe. Jusqu'à la fin, on comprend pas vraiment ce qui se passe. Ça ressemble plus à une quête d'identité, peut-être au fait d'accepter que son père soit mort, etc. Mais je trouve que c'était un petit peu barré, parfois un peu trop. Un peu trop étrange. Voilà. Donc, je trouvais ça sympa, mais sans plus. Après, peut-être que nous, on est un peu trop terre-à-terre pour que ça fonctionne avec nous. Ça vous plaira peut-être. C'était intéressant quand même. Puis cette couverture est splendide. Hein. On est vraiment dans... Voilà, ce sont des bateaux qui volent, mais on est quand même à côté de la mer et il y a quand même des bateaux qui nagent. qui flottent sur l'eau. Les bateaux qui neigent, oh, c'est des vacances, hein, c'est dur. Bref, non, c'était sympa. C'était sympa, mais qu'est-ce que j'ai d'autre à dire en plus ? Rien de spécial, franchement, voilà. C'était sympa, mais sans plus. J'ai lu aussi dans le cadre des récits marins, et aussi dans le cadre du feuilleton de l'été, Les enfants de la mer, de Deisuke Igarashi, chez Moonlight Manga, les tomes 4 et 5, qui terminent la saga. Et oui, mais quand même aussi, là, on est parti bien barré. En fait, les trois premiers, on suit vraiment... donc, l'histoire principale, c'est que ce sont deux enfants étranges qui ont été élevés par des Donga, c'est ça ? Je crois que c'est des Donga, je suis pas sûre. En tout cas, vous savez, ces ordres d'éléphants de mer, là, qui ressemblent un petit peu à des dauphins. Bref, deux enfants qui sont nés quasiment sous l'eau, qu'on a retrouvés près d'un banc, en fait, de Donga.
Et des personnes qui s'occupent des fonds marins les ont recueillis pour les élever dans un aquarium. Déjà, c'est un peu étrange. Et en fait, on suit la fille d'un des gérants de l'aquarium qui fait des recherches sur la mer avec d'autres de ses collègues. Et tout, c'est important parce que tous ces personnages-là sont importants dans l'histoire. Et cette petite fille qui est un peu rejetée par les autres, qui est un peu en quête d'identité, va rencontrer ces deux enfants hors normes et va être intriguée par eux, va se sentir attirée par eux. Et ces enfants vont l'emmener souvent dans leur balade dans la mer. Et elle va petit à petit comprendre qu'il se passe un truc beaucoup plus important que ce qu'elle pensait par rapport à la mer. Alors il est question effectivement d'écologie et de préserver les fonds marins et tous les animaux qui s'y trouvent. Et apparemment il y aurait quand même une sorte d'idée que dans la mer il se passe quelque chose en relation avec le cosmos et qui est beaucoup plus important. Et en fait dans ces deux volumes on part vraiment dans cette idée-là, c'est-à-dire que on abandonne un peu la psychologie des personnages pour partir sur une dimension plus large. Le quatrième volume, on garde encore le lien avec certains personnages, notamment les parents de la petite fille qui disparaît d'ailleurs avec ces deux jeunes dont je vous ai parlé. Et ensuite, dans le cinquième volume, par contre, voilà, c'est beaucoup plus fantastique, beaucoup plus... Il y a beaucoup de dessins, mais j'ai pas envie de vous montrer non plus trop, mais on se retrouve avec des... Je vous montre comme ça, parce que ça vous dira rien. On est sur des dessins quasiment avec quasiment pas de texte, ou alors des dessins mais splendides. Notamment les dessins de baleines qui sortent de l'eau, c'est splendide. Et ce personnage, cette petite fille-là, j'aime beaucoup... J'ai bien apprécié, hein, franchement, mais je crois que j'ai préféré le début du manga que la fin, qui part dans un délire cosmique, lié cosmique et marin. Bon, en même temps, voilà, c'est parfait pour les vacances, mais c'était quand même complètement farfelu, complètement dingue. Mais voilà, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Donc je vous invite, je vous conseille de les lire, et voilà, donc c'est tout. Je vais vous laisser là et on se retrouve un petit peu plus tard pour les récits marins. Alors Abyss, j'ai pas lu du tout, j'ai pas du tout écouté de livre audio. On verra, je viendrai vous en parler quand j'aurai fini sa lecture. Et puis voilà, je vais essayer de lire Les Aventures et de la Mer. Ah oui, si, je voulais vous dire, chez mes parents, mon père a ce livre-là. Que j'aimerais bien lui emprunter l'histoire de le lire, parce que je reviens en fait ici avant la fin de mes vacances. Donc je pense que je vais lui emprunter et je vais le lire. Et c'est un récit assez court, illustré, un livre qu'il a trouvé et qui est très ancien. Je vous le montrerai. Je vais essayer de ne pas l'abîmer parce que voilà, j'ai pas envie de l'abîmer, quoi. Et ça date de quand, l'édition ? Ce livre a été tiré à 1000 exemplaires destinés à la vente. Bon, si je retrouve, je vous dirai. Mais voilà, il est illustré par Alfred le Petit. Et c'est Guy de Maupassant, quoi. Donc ça devrait fonctionner. Voilà, donc je vous parlerai de tout ça très prochainement. Point lecture sur... On en est où là ? Sur l'exploration des récits marins. En fait, j'en ai un qui est encore en cours. C'est Abyss de Frank Schätzing qui est en audio. Il me reste 5 heures à lire. Mais sachez juste que j'ai fini de lire Les Aventuriers de la Mer, l'intégrale 3 de Robin Hobb. Je suis désolée, il y a de la lumière qui n'est pas super. Je me décale. Je ne vais pas en parler longuement ici. J'en parlerai plus tôt dans ma vidéo challenge. Que vous verrez bientôt, mais sachez que j'ai adoré et je suis un petit peu triste, j'avoue, d'avoir terminé cette saga. Alors c'est une trilogie qui est à l'intérieur d'une plus grande saga,
Mais j'ai terminé les aventuriers de la mer. J'ai lu la première époque de l'Assassin Royal. Et donc, je vais enchaîner avec la seconde époque, je pense plutôt en 2025, parce que j'aimerais terminer d'autres sagas avant. J'ai adoré retrouver l'ambiance fantasy de ce roman. C'est un roman hors norme, où j'ai pris plaisir à chaque page. Alors, Les Aventuriers de la Mer, là, on est vraiment dans les récits marins, mais sur ce qu'on appelle des vives nefs, c'est-à-dire ce sont des bateaux de marchands, de familles marchandes, qui sont animés et qui sont rattachés à une famille. Et donc, c'est forcément une des personnes de la famille qui devient capitaine, sauf que ça va déraper pour certains. Et on va comprendre petit à petit quelle est pourquoi les vives nefs existent, qui elles sont. Et on va en suivre plusieurs avec différents personnages, notamment de la famille Vestrit, qui est une famille de marchands, dont on va suivre la fille, enfin plusieurs filles, la femme du mari qui a disparu, enfin les enfants d'une autre fille. Bref, plein de personnages qui tournent autour de cette histoire. C'était extrêmement passionnant. J'ai adoré chaque page et j'ai pleuré à la fin parce qu'il y a un personnage que j'ai adoré, détesté, qui malheureusement va nous quitter. C'était très, très émouvant. J'ai trouvé que ce dernier volume était une apothéose de l'histoire. Je sais que ça plaît pas forcément à tous, mais moi j'ai adoré ce troisième volume. J'ai trouvé que Robin Hobb avait réussi à conclure quelque chose tout en laissant ouvert pour la suite de la saga. On a envie de savoir ce qui va se passer après. C'était vraiment passionnant. Il y a des personnages que j'adore et dont on sait pas tout, mais il va se passer des choses terribles. Il y a des trigger warnings quand même là-dedans, hein, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément évidentes à lire. En revanche, si vous aimez les univers de fantasy un peu, alors c'est de la ce qu'on appelle de la high fantasy, mais moi je qualifierais aussi quand même ça de light fantasy, dans le sens où c'est à mon avis une œuvre que vous pouvez lire sans forcément être passionné avant de fantasy, parce que ça reste très ancré autour des personnages. Il y a un côté un peu historique et un côté choral. Le côté choral est vraiment là parce que le récit est partagé entre différentes personnes, en différents personnages qui sont tout autant importants les uns que les autres. Donc j'ai adoré. Énorme coup de cœur de toute la saga. Je vous la conseille. Voilà. Je reviendrai vous parler de Abyss pour terminer, puis on fera un petit point sur cette exploration des récits marins, parce que je ne sais pas si j'ai fait le point sur tout avec vous. Je ferai le montage et puis je ferai la conclusion avec Abyss. Donc on se retrouve très vite. Bon, on va terminer cette. Est-ce qu'on va terminer ? Ouais, on va terminer. On va terminer l'exploration des récits marins avec la fin de ma lecture d'Abyss, lecture audio, donc je n'ai pas lu cette bricasse, mais je l'ai écoutée pendant 30 heures à peu près. Un roman de Frank Schätzing qui est allemand, qui est un thriller écologique qui a été adapté en série par le producteur Game of Thrones. J'aimerais bien le voir parce que vu les tenants et les aboutissants de cette histoire, je pense qu'effectivement c'est très visuel. J'ai très envie de voir ce qui se passe, comment est-ce qu'ils vont retranscrire les comportements étranges des animaux sous-marins qui arrivent d'un coup partout dans le monde. On suit différents personnages en plus dans différentes parties du monde qui vont constater ces problèmes-là et qui vont tenter de les communiquer aux autres scientifiques, de s'unir pour essayer de comprendre ce qui se passe, parce que l'inquiétude est telle qu'il y a un consensus international pour essayer de trouver une solution contre ces attaques qui sont réelles. Alors, des attaques de qui ? Je ne vous dis pas, parce que ça reste quand même le sujet de l'histoire. Et j'ai pas forcément envie de vous en dire plus que ça, parce que le livre est énorme et je pourrais pas résumer toute la quantité d'informations, surtout qu'il y a beaucoup d'analyses scientifiques qui sont faites des animaux marins et de leur comportement. Ça, c'est un côté passionnant de l'histoire.
Et voilà. Donc on est sur un récit d'anticipation. Et on va suivre un biologiste norvégien et une poignée de chercheurs originaires des quatre coins du monde. Voilà. Donc moi j'ai particulièrement apprécié. Comment il s'appelle? Je pense à Anouket, mais c'est pas Anouket. Il y a un personnage, Anahuac. J'ai particulièrement apprécié le personnage d'Anahuac. Et donc j'ai trouvé notamment le moment où il retourne sur les terres de son enfance. Particulièrement touchant, ça m'a beaucoup plu. On rentre vraiment dans la psychologie des personnages, de qui sont ces scientifiques, d'où ils viennent et pourquoi est-ce qu'ils réagissent comme ça, quelles sont leurs idées. Il y a des personnes qui sont particulièrement intelligentes, d'autres qui sont un peu pourries, ou du moins plutôt... comment on dit ? Opportunistes dans l'histoire. Et ça, c'était bon, c'était intéressant de voir aussi le côté politique lié à cette réaction, en fait, à l'attaque d'une autre espèce. Et ça, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant, c'est ce qui fait la force de cette histoire. Et je pense qu'effectivement, d'un point de vue visuel, ça doit être chouette. J'aimerais bien le voir. Ce roman, je ne vais pas le garder, je vais vous le faire gagner dans la prochaine vidéo que je vais faire FAQ et concours, parce que déjà il est énorme, je ne pense pas que je le relirai, et par contre il est vraiment chouette, donc si vous voulez le découvrir, c'est le moment, c'est un beau roman, parce qu'il est quand même à 25€, il est édité ici aux Presses de la Cité, et cette couverture est splendide, elle est vraiment inquiétante, et ce qui se passe est aussi inquiétant. Mais en même temps, ça m'a fait un peu penser, il y a un côté un peu La Nuit des Temps de Barjavel. J'ai trouvé qu'il y avait un côté un peu comme ça sur qu'est-ce qui se passe dans ces endroits où, on ne sait pas tout. Parce que dans les fonds marins, on ne sait pas tout. Et j'ai trouvé que justement d'aller exploiter justement ces failles scientifiques, c'était vraiment passionnant et c'était vraiment très très bien fait. Je comprends qu'il était adapté en série. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui était l'exploration des récits marins. Moi, je me suis éclatée avec des romans de fantasy, des mangas, des romans plutôt thrillers écologiques. Voilà, donc je me suis plutôt éclatée. Puis un classique, un abrégé, mais un classique quand même. Donc, c'était vraiment chouette, cette exploration. La prochaine exploration que je vais faire, ça sera l'exploration de la figure du vampire. Je pense en octobre-novembre. Voilà. Je compte lire quelques livres. Et d'ailleurs, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas en commentaire. Et voilà. Donc, je vais vous laisser là. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. N'oubliez pas un petit pouce en l'air et puis un petit commentaire si vous avez des choses à me dire, si la vidéo vous a plu. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.